Salut, salut, à bord d'Aïna, pensez à venir. On est mardi et on est dans la DEP. Et donc on va sortir, on va prendre la traîne. Ça va être costaud. Cette nuit, on a eu des pointes jusqu'à 48 nœuds. C'était un peu chaud. Donc là, il y a une mer qui commence à bien se lever. Et voilà, on lâche rien, c'est la route du Rhum. Allez, une petite vision. Pas, mais on sait que le risque il existe, donc c'est pour ça qu'aussi on s'est préparé, les lignes de vie ont été changées pour être sûr, tout le matériel de sécurité a été revérifié, checké, et effectivement, eh ben, on va rester accroché, on va faire les choses prudemment, et puis il devrait pas y avoir de problème. Faut toucher du bois. Voilà, normalement, voilà, il a... Alors on dit que c'est une course contre les autres, mais je dirais que c'est plus une course contre nous-mêmes, savoir se challenger tous les jours, repousser ses limites, aller au bon endroit, faire les bons choix. Après, moi je dis que celui qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs, c'est pas celui qui fait pas d'erreurs. C'est tous les jours, on a devoir cet esprit-là de rester lucide, faire les bonnes manœuvres au bon moment, aller vite. Peut-être les 2-3 derniers jours, on commence à regarder un peu plus en chien de fusil les concurrents qui seraient peut-être pas très loin derrière ou pas très loin devant. Mais avant ça, je pense qu'il faut quand même penser d'abord à sa course et rien d'autre et pas regarder les adversaires. Allez, à très bientôt!